Qu'est-ce qu'il y a? Elle a probablement fait un cauchemar encore. Elle a rêvé qu'on ne pouvait plus la nourrir, sans doute. Non, non, c'était pas un cauchemar, ça. Elle souffrait bien trop. Pesta? Akubane? Oh, Akubane, Sting. Ah, ça arrive maintenant? Non. Je vois bien Sting, mais lune différente. Lune pas normale. Nouvelle lune. Différent. Différent? Petite lune approche grosse lune, comme enfant vers maman. Ah! Sting, pas aimé différent. Ne crains rien. Tu le sais, Krista différente elle aussi. Krista, pas différente? Je ressemble pas aux Pacous. Je ressemble aux porteurs. Krista se bat comme Pacous. Et malin comme Pacous. Sting aime Krista. Oh, Krista aime Sting aussi. Mais Krista pas comme Sting. Krista différente. Comme lune différente. Ça, c'est une jolie fille. Madonna. Alors, Madonna se balade pas dans la jungle. Encore, devine qui c'est. Michelle Pfeiffer. Tu aimerais? Bah, oui, bien sûr, mais ça me plairait. Surprise! Oh, c'est ma crevette. Bonjour, chérie. Oh, tu veux un petit câlin, toi aussi? Alors, c'est fini tes cauchemars? Hein? Elle est redevenue normale, on dirait. Ouais, ça va mieux. Dis, à quoi tu pensais tout à l'heure? Hein? Oh, je repensais à la fille de la jungle, cette Krista. En ce moment, je pense souvent à elle. C'est normal, elle est méga canon. Moi, je plaisantais, y a pas de mal, hein. Bon, sérieusement, comment ça se fait que tu penses si souvent à elle? C'est que ça m'inquiète, tu sais. T'en fais pas. Si je pense à Krista, c'est pas pour les mêmes raisons que toi. Ce que je me dis, c'est qu'elle connaît peut-être un moyen de quitter ce monde. Il y a une chance qu'elle puisse nous aider à rentrer chez nous. Mais, pour ça, il faut d'abord qu'on la retrouve. Ouais! Mais tu veux qu'on parte à sa recherche quand? Parce que c'est bien gentil, mais moi j'ai des tonnes de choses à faire, moi. Je vais être obligé de consulter mon agenda. J'ai un emploi du temps très chargé. Un emploi du temps chargé? Ben ouais, qu'est-ce que tu crois? J'ai des rendez-vous un peu partout, des amis à voir, et je parle pas du boulot. Je comptais partir. Après le petit déjeuner, on ira que tous les deux si monsieur est pris. Je suis libre, je crois. Bon, alors on casse la croûte, et ensuite, on trouve Krista. On trouve Krista? Sois bien sage, Tasha, d'accord? On va vite revenir. Ensuite, on pourra jouer. Je te ramènerai une surprise. Thank you.
C'est le moment d'ouvrir les yeux. Ça fait pratiquement un siècle qu'on marche pour rien. Et pas la moindre trace de Christa. Peut-être qu'elle ne tient pas à ce qu'on la voit. Peut-être même qu'elle nous observe. Qu'elle est cachée en haut d'un arbre. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Le bruit se rapproche, on dirait. Oh! Christa et Stink! Akubané, porteur. Christa, tu arrives à pic. Nous cherchions à te voir. Toi, pas chercher moi. Toi, retourner dans ton monde. C'est justement ce qu'on aimerait faire, tu sais. Mais pour y arriver, on a besoin de ton aide. Sincèrement, on n'a pas envie de rester ici. On veut revoir notre pays. Sais-tu comment on peut repartir d'ici? Christa, pas savoir. Personne savoir. Eh ben, on n'est pas rentré. Elle appelle ce tricératops princesse? Jamais les copains me croiront. Porteur, jungle dangereuse, toi pas rentrer maison, suivre-moi. Prenez vos sacs. Vite, Campus. Regarde un peu ça. C'est une fan des Giants. Christa, c'est à qui ce chien? Il s'appelle Princesse lui aussi. Annie, sûr? Où as-tu eu cette casquette? Bon. Comment connais-tu notre langue? Fais beaucoup rêve, moi. Entends, vois, chose. Quel genre de chose? Pas cause, avec personne comme toi. Mais pas toi. Personne que moi aimais longtemps déjà. Belle hutte, immense. Il faut que tu me répondes. Est-ce que ce sont ces personnes que tu vois dans tes rêves ?
pas voir le visage. Essaie de te rappeler un peu des images de ton enfance. Et ça, c'est important. Moi, essayer parfois. Pas me rappeler. Essaye encore. Christa, je ne crois pas que tu sois une enfant de la jungle. Tu n'as pas pu naître ici. Je suis certain que tous ces rêves, toutes ces choses-là, sont des éléments de ton passé. Et je suis convaincu que tu es venu ici exactement comme nous, par accident. Non. Non. Toi, te tromper. Jungle, maison à moi. Toujours Christa habitait ici. Mes amis habitaient ici. Moi, plus vouloir parler. Stink, Ozo. Ozo, Stink. Terminé. Plus parler. Ça, c'est maintenant Stink. Lune, bougez. Petite lune, venir voir grande lune. Animaux, devenir différents. Une éclipse. Les lunes transforment les bêtes? Quand même pas en Dracula. Je sais que ça peut paraître curieux, mais dis-toi bien qu'ici, tout est possible. Peut-être que la gravité des lunes modifie la lumière au point de perturber les espèces animales. Je parie que c'est à cause de ça que Tasha a crié cette nuit. Il crie et s'enfuit au galop, mais où est-ce qu'ils vont? Stink criait Zabuniga. Mon vouloir dire vallée de la mort. Immense falaise. En bas, beaucoup, beaucoup os. Ils vont à la falaise? Il faut retenir Tasha. Oui, on va retourner la voir. Christa, nous devons aller. Où est-elle? J'en ai aucune idée. Tant pis, suivez-moi. Tasha! Elle est partie. Sans doute que les trois lunes influent sur elle comme sur tous les animaux. Mais elle est si petite. Elle est sans défense dehors. Elle risque de se blesser. Ouais, et surtout si elle saute au fond de la vallée de la mort. Kevin, dis pas ça! Je suis sûre qu'elle y est pas allée. Elle y est pas, hein? Je ne sais rien, Annie. Nous avons affaire à des forces que j'ai bien du mal à comprendre. Bon sang. Qu'est-ce que... Tenez-vous! Accrochez-vous bien! C'était un tremblement de terre? Non, non, je crois pas. Le bruit ressemblait à celui d'un troupeau en fuite. Tasha a sûrement besoin d'aide. Papa, il faut qu'on la retrouve. Oui. Très bien. On y va.
Princesse Sting. Rien de cassé? Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Princesse, Sting, Tasha, partir par là! Ils vont vers la vallée de la mort? Oui. Monte! Si on reste chacun de notre côté, on pourra rien faire pour eux! Allez, monte! Si les dinosaures veulent plonger dans le vide. Je sais pas encore, Kev. Mais à mon avis, c'est ce qu'ils comptent faire. Cette vallée devait être occupée par la mer autrefois. Et leurs ancêtres y vivaient. L'éclipse les pousse à retourner dans leur milieu d'origine. Ouais, sauf qu'il n'y a plus d'eau. T'as une idée géniale, papa? Vite! Hurlez, criez! Faites le plus de bruit possible! Dis-moi que c'est bien vrai. Oh, merci, mon Dieu. Ils ont eu les jetons. Mais où est Tasha? Tasha, c'est moi, Annie. Tasha, plus en danger. Éclipse terminée. Akubane Krista. Akubane Sting. Merci beaucoup. Merci pour Princesse, pour Sting, pour Ami de Krista. Merci d'avoir sauvé la vie à Tasha. Est-ce que j'aurai... aura-t-on le plaisir de te revoir? Bientôt, Kevin. Moi, veux connaître beaucoup plus sur Image. Rêve de moi. Akubane, Krista. Akubane, porteur. Akubane. J'ai la méga coach Paris. Akubane! Akubane, Sting! Akubane, Krista! Akubane, porteur! Akubane! Ciao, bambino! Oups! Remets cette échelle en place! C'est pas rigolo! Fais gaffe à la marche quand tu descendras! Adieu, Annie!
pauvre mec. Il le paiera, je le jure. Livraison. Vitamine C à l'état pur, melon fraîchement cueilli. Ah, ils sont magnifiques, bravo. La récolte sera bonne. C'était quoi ces bruits de dispute? Oh, comme d'habitude, Annie dans le rôle de la super chippie. Bien sûr, tu l'as corrigée. Moi? Tu me connais, papa. Où est-elle? Condamnée à mourir. Après avoir passé ma vie sur une branche sans que personne s'inquiète pour moi. Au moins, j'aurai plus leur sale ménage à faire. Gentil, mon grand. Gentil. On dirait que tu as faim, hein? Hey! Est-ce que je peux te demander de me rendre un grand service? Génial! Merci pour la balade, et si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Ma vengeance va être terrible, il sera obligé de me demander pardon. Combattre, Harry Potter. Salut Sting, qu'est-ce que tu veux? Chuka, chuka. C'est très beau, Stinkwee. Mais où tu l'as eu? Kimba. L'épée est tombée du ciel? Super. Super. Ça m'étonnerait qu'elle vienne du ciel. Mais en tout cas, elle est belle. Donner. Pour moi? Non, Stink. Je peux pas accepter. Elle est trop belle et si bizarre. Est-ce qu'on approche, Chung? Chung, est-ce qu'on approche là? Tu veux t'approcher, hein? Tu vas m'entendre de très près. Tu sais pourtant que je déteste me répéter, non? Si jamais tu me reposes la même question, je t'arrache le cœur et je le croque. Pour finir, je mettrai dans son sac de couchage des millions de fourmis rouges. Et après tout ça, j'irai expliquer à papa que son fils n'est pas plus malin qu'un ver de terre. C'est un plan génial, hein? Ver, fourmis, Stink, tu comprends pas, on dirait. Mais mon frère comprendra, lui, je te le promets. Stink! Le cristal! Annie Porter? Annie, où ça? Je sens sa présence. Mon cristal n'est pas loin. Par là. Tu en es sûr, Chung? Bien sûr, Minable. Dépêchez-vous de le trouver. Annie Porter, se sentir mal? C'est probablement la chaleur. Porte les fruits. Porte! Aïe, Annie Porter, pas bien. Tire-toi!
Scarface Park. Et le cristal l'a fait décamper. Il a un pouvoir magique, je l'ai senti. Malou! Malou! Oh. Non, pas dangereux. Cool. Très cool. Cool? Ouais, cool. Avec ça, si je veux que quelqu'un parte... il part. Oh, Kristen, pas cool. C'est l'arme qui me manquait. À nous deux, Kevin. Tu te prends pour un malin, hein? On va bien voir lequel de nous deux est le plus malin. Ah, tes melons étaient excellents, Kev. J'ai eu du mal à les cueillir, tu sais. Ils étaient hauts. Amy, ça va ma crevette? Très bien, oui. Un petit peu fatigué, mais c'est normal. Ça doit être à cause de la jungle. Oui. C'est stressant, cette ambiance. Et ces derniers jours, on a eu pas mal d'émotions fortes. Il est temps qu'on reparte. Ce soir, on range. Comme ça, ça nous permettra de lever le camp très tôt demain matin. Je peux te poser une question? Qu'est-ce que t'entends par très tôt? À l'aube. Oh non, je le savais. Ah, je le savais? Dis, est-ce que je peux être dispensé de rangement? Oui, bien sûr, ma puce. Va vite dormir. Mais enferme-toi bien. Les insectes piquent fort par ici. Tiens, Tasha. Qu'est-ce que c'est? Je vois pas en quoi ça te regarde. Ça te gênerait d'être aimable. Laisse. Annie, est-ce qu'on peut savoir? C'est un objet que j'ai trouvé. Ah, laisse tomber, s'il te plaît. Elle s'arrange pas avec l'âge. Sting trouvé. Pas Annie Porter. Pas Annie Porter. Faut l'excuser, elle est crevée. Avoir une sacrée frousse. Ça lui apprendra, il l'a bien mérité. Mérité? Ah! Annie! Rends-moi mes gâteaux, dépêche! Mais on t'a pas pris tes gâteaux! Pas on, toi! Je te dis, prends-les-moi, je t'ai avalé les poissons! Hé, hey, calmez-vous. Bon, alors. Annie, as-tu volé ces gâteaux, oui ou non? Non. C'est Sting qui les a. Ah, ah, fais peur, Tasha. Mais merci de m'avoir réveillé. Bah, et le café, les œufs à la coque? Oh bon, j'oubliais que tu détestais qu'on mange des œufs. Parfait. Ah. Bon, allez, debout. La route va être longue, elle t'en passe. Approche. Oui,
on est tout près, et ceux qui ont volé mon cristal périront par mes mains. Debout, la compagnie. Allez, paresseux. Oui, voilà, je me lève. Je suis debout. Chat, va réveiller Annie. Je m'occupe de lui. Kevin, debout. Hein? Allez. Quoi qui se passe? Allez, faut te lever. Pourquoi on fait pas une grasse matinée, pas... Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, Tasha. Arrête de pleurnicher. Annie? Restez où vous êtes. Annie. Hé, papa, tu vois ce que je vois? Le cristal de Shang. Annie, s'il te plaît, donne-moi le cristal. Pas question! Si tu le gardes, tu vas devenir méchante. C'est une arme maléfique, alors obéis-moi! Non! Annie! D'accord, garde-le, je veux plus te le prendre. Voilà, baisse cette arme et dis-moi ce qui ne va pas. Annie, réponds, chérie. Essaie de me parler. Reste ici. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'il y a à faire. Retrouver Annie et la ramener ici. Allez. Comme on se retrouve, humain, mon cristal, où l'avez-vous caché? Vous devez faire erreur, il n'y a pas de cristal ici. Tu mens, misérable. Rends-le-moi, ou je te ferai mourir dans les pires souffrances. Débarrasser.
Annie. Mais il a un pouvoir magique. Tu as vu ce que je pouvais faire? Oui, j'ai vu ce qu'il a fait de toi. Il ne t'apporte que le mal. Mais il fait de moi une fille géniale. Ah non, petite crevette. Non, tu es bien plus géniale sans lui quand tu es toi. Annie Porter, hein? La petite fée qu'on aime. Hein? Oui, papa a bien raison. Elle nous manque beaucoup. La vraie Annie. Et pense à Tasha. Elle a besoin d'une amie, pas d'un monstre qui tire tout ce qui bouge. Je n'arriverai plus à m'en passer. Tu es obligé. Sinon, tu finiras par ressembler au Krastox. C'est ça que tu veux? Annie. Annie. Va-t'en, objet de malheur. Est-ce que... tu m'aimes toujours, papa? Non, bien sûr, chérie. Tu es notre princesse, notre crevette préférée. Ouais! Je t'aime plus que tout. Moi aussi, papa. Oui, je sais. Je t'adore. Et voilà. Tout le monde est prêt à partir? Mais un peu que je suis prêt, j'ai hâte de retrouver la cabane. Moi aussi. En route. Ok, mon commandant. En selle. Je veux les humains et leurs redoutables machines. Et je les aurais déjà si vous ne les aviez pas laissés échapper, bande d'égorgeurs de mousse. Vous allez tâcher de me les retrouver, et vite. Mais Shang, de quelle façon? Capturer leurs lézards. Ainsi, les humains viendront le chercher. Mais qu'est-ce qu'il te prend encore d'une pipe? Annie! Annie, occupe-toi d'elle! C'est fini, Tasha. Tu as fait un cauchemar. Un cauchemar? Oh, sûrement pas, je faisais un méga rêve avec Krista. Je voulais dire que je faisais un super rêve avec le Christ, papa. Tu sais, l'homme qui marchait sur l'eau. Enfin, le fils de Dieu, quoi. Il paraît que tu rêvais que les méchants Krastox te mangeaient, hein. Annie, c'était déjà dur quand elle ronflait. Maintenant, elle crie.
J'ai pas passé une nuit correcte depuis une semaine. Alors, à partir de maintenant, elle dormira dehors sous la véranda. Mais papa! Il n'y a pas de mais, chérie. J'ai les nerfs en pelote. Ouais, et moi j'aimerais bien pouvoir rêver en paix. Allez, faut que tu t'y fasses. C'est un animal. Sa place est dehors. Tu vas voir, ce sera chouette. Comme du camping. Ça te plaira. Couche-toi. Fais de beaux rêves. Ah, il est encore vivant. Ouais, comme les autres. Jamais on n'attrapera cette satanée bestiole. Arrête. Et on attrape du vent. Calme-toi. Tout tard, on finira par la voir, ce gros lézard. Tasha. Tasha. Mais là, en sourdine, sois sympa. Annie. C'est bon, papa, je sors. Je vais lui tenir compagnie. Tasha ? Tasha ! Qu'est-ce que tu fabriques ? C'était mes plus précieuses affaires. T'es une méchante. Et papa, regarde ça. Tasha est plus sexy qu'Annie déguisée en Marilyn Monroe. Tasha, tu es belle à croquer. Eh oui, ma belle. Je suis désolé, mais comme ça, au moins, on a une chance que tu fasses pas de bêtises. Allez, souris un peu. Tu te dis sûrement que je suis un bourreau, hein. Ah, c'est du beau boulot, Kev. T'es un vrai bûcheron. Encore deux comme ça et on sera tranquille pour un bon mois. Meilleure nouvelle de la journée. Si ça continue, on va être obligé de rester ici. Tasha, reviens ici. Oh, bon sang! Elle a tout bousillé une fois Comment de plus. Comment est-ce qu'elle a réussi à se détacher? Oh, Tasha, un de ces jours, je vais... Mais c'est mes chemises que tu piétines! Tête de tortue, va! Oh, tu deviens une sacrée plaie, Tasha! Une méga plaie! Mais elle l'a pas fait exprès! Sûrement qu'elle a eu peur! C'est possible, mais ça ne change rien. Ce n'est encore qu'un bébé dinosaure. Justement, c'est bien ça le problème. C'est un bébé dinosaure qui un beau jour va devenir plus gros. Ouais, elle va peser 30 tonnes au moins. Écoute, ce n'est pas la question de savoir si elle est gentille. Tasha est un animal sauvage. Alors, à mon avis, le mieux c'est qu'elle reparte en forêt, là où elle devrait être. Non, papa. Ce n'est qu'un bébé, à tous les coups, elle se fera dévorer. Je la surveillerai mieux. Elle fera plus jamais de bêtises, je te le promets. Tu peux pas veiller sur elle 24 heures sur 24. Papa, j'ai une bonne idée. On n'a qu'à lui fabriquer un parc. Un parc? Tu veux la mettre en prison? Mange. Allez, c'est des feuilles bien croustillantes, Tasha. Oh mince. Tasha qui refuse de manger. La situation est plutôt inquiétante. Ne fais pas la tête, mon bébé. C'est pas si terrible. Faut seulement que tu t'y habitues. Regarde, elle supporte pas les barreaux, ça se voit. Je n'ose plus la regarder tellement je me sens coupable. Tu ne dois pas. Crois-moi, Kev, ce n'est qu'une question de temps, elle s'y fera. Laissons-la. Venez,
Je vais vous montrer quelque chose. On a fait ce que t'as dit, Chong. On a posé plein de pièces partout. Cette délicieuse bestiole sera bientôt dans nos assiettes. Oui. Silence, misérable cloporte. Une fois de plus, vous ne l'avez pas attrapé. Vous êtes des bons à rien. Des minables petits bouffeurs de charogne. Oh non, Chong. Les pièges vont marcher. Il n'y a plus qu'à attendre. Ma patience est à bout. Je ne supporterai plus d'attendre. Chaque seconde pendant laquelle ces envahisseurs sont libres est une insulte pour moi. Je règne sur ce monde. Il m'appartient et tout ce qui s'y trouve est à moi. Y compris les humains. Et vous, tête de rat, vous êtes incapable de les trouver. On va poser d'autres pièges, Chang. On ramènera le gros lézard ici, et les humains viendront pour le récupérer. Oui, on les aura. Vous avez intérêt à ne pas rentrer les mains vides. Sinon, je me ferai une joie de vous étriper. Merveilleux, on va pouvoir se prendre une bonne petite douche. Ouh, j'ai hâte d'y être. Ça va faire glou 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 glou. Ah, du calme. Non. Oh mon Dieu, Tasha. Elle a bousillé la douche toute neuve. Ah, c'est l'enfer. Je te demande pardon, papa. Désolé, crevette, mais là, elle dépasse les bornes. Tu vas peut-être penser que je suis dur avec elle, mais je crois qu'il vaut mieux que Tasha reparte dans la jungle. Dis-toi bien que moi aussi, je l'aime. Mais c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour elle. Et pour nous aussi. Viens, mon bébé. Tu verras, tu seras bien. Tu veux que j'aille avec elle, papa ? Non. C'est gentil. Non, il vaut mieux qu'elle règle ça toute seule. Tu crois qu'elle va supporter ? Oui. Ouais. Mais il faudra lui remonter le moral, ok ? Sans problème. C'est quand même dingue. Tasha était vraiment une plaie. Mais j'ai l'impression qu'elle me manque déjà. Elle me manque aussi. Elle faisait partie de la famille. Je comprends ce que tu ressens. Moi non plus, j'aime pas cette laisse. Voilà, tu es libre maintenant. Tu seras chez toi ici. Tu auras le droit d'aller où tu veux. Tu peux pas faire de bêtises ici. Personne te disputera. Tu seras bien plus heureuse. Je t'aime, Tasha. Tu sais, si c'est pas comme si on n'allait plus être ensemble, là... Je viendrai te voir tous les jours et on fera plein de jeux amusants toutes les deux. Je te le promets. D'accord ? Tasha, tu dois rester là. Je reviendrai. Tasha, non ! Ah!
Hey, vous voulez que je vous pose une devinette que j'ai inventée? Pourquoi est-ce que parfois les mouchoirs s'envolent? Parce qu'on se mouche dedans. Mouche, dedans. Bon, d'accord. T'inquiète pas pour elle, Annie. Elle est trop petite pour passer la nuit dehors. Scarface, les Crastox vont la tuer. Ce n'est encore qu'un bébé. Non, non, c'est plus tout à fait vrai. Elle grandit constamment. D'ici peu, elle pourra se défendre sans nous. Tous les jours, on ira la voir. Mais je t'assure, là-haut, elle est mieux qu'ici. Peut-être, oui. Mais moi, elle me manque beaucoup. Mais à nous aussi. Pas qu'à toi. Je la connais. Quand elle veut bien, elle est maligne, tu sais. Je parie qu'elle va apprendre très vite à se débrouiller. Et elle va devenir le maître de la jungle. Et on devra peut-être même lui payer un loyer. Quoi que tu fasses, Tasha, je t'aimerai. Tasha criait, elle va mal. Elle a crié? Mais où? Mais dans la jungle. Annie, il y a plein de bêtes dans la jungle. Je saurais reconnaître son cri entre mille, c'était Tasha. Ouais, elle a raison, je la reconnais aussi. Mais ça a l'air de venir d'assez loin. Ouais. Ses cris ont l'air éloignés de plusieurs kilomètres. Très bien. On va aller voir. On dirait que c'est notre jour de chance, hein. Shang va être content. On va se régaler. Allez. On peut pas savoir si on est dans la bonne direction. C'est trompeur, la jungle, au niveau des bruits. Je t'en prie, Tasha, remets-nous sur la voie. Génial. Elle n'est plus très loin, en plus. Attention, il nous attaque. Dégage ou je te tords le cou. Annie. Content de te revoir, mon grand. Merci. Elle le connaît, c'est bon.
C'est fini, Tasha. On est là maintenant. Tu n'as plus rien à craindre. Aidez-moi. On va la lever. Tu as eu peur, hein? Rien de cassé, Tasha? Comment tu vas, vieille branche? T'as plein, ma grosse? T'as l'air contente de nous revoir, hein? Tu sais, à la cabane, c'est plus pareil sans toi. En bien comme en mal. Papa, maintenant, on l'abandonne plus. Bien sûr que non, petite crevette. T'as raison. T'es qu'un bébé. Qu'est-ce que tu fais, Tasha? On te donne une nouvelle chance, si t'es d'accord. Hein? Elle a l'air d'être d'accord. En route. Merci, papa. Je me sens en famille. Et si un jour Tasha nous quitte, au moins on saura qu'elle a un ami sur qui elle peut compter. Pas vrai? Retrouvez les aventures de tous nos amis dans Scarface, le méganosaure. Aïe! Kevin! Décontracte-toi. Je contrôle la situation. Conseil, tête de poule mouillée, ne te frotte pas à Super Kevin et oublie un peu mon ami Krista. Sinon, je t'aplatis comme une punaise. Kevin Porter, je n'aurais jamais cru que tu pouvais être si fort, si brave, si impressionnant. Oh. Je t'aime à la folie, mon amour, mon guerrier, mon héros, à la folie. Hey, Kev, tu viens avec nous à la pêche ou tu préfères qu'on vous laisse seuls tous les deux? C'est interdit de se reposer un peu les yeux, hein? Bon, je vous attends, allez! Onuma! Danger! Danger! Attention!